Need for Speed Unbound est un jeu développé par Criterion Software et édité par Electronic Arts. C'est un jeu de course sorti le 29 novembre 2022 sur PlayStation 5, Windows, Xbox Series et xCloud. Need for Speed Unbound est le dernier opus de la série emblématique repoussant les limites de l'excitation automobile. Plongé dans un monde ouvert dynamique où la personnalisation des véhicules rencontre l'adrénaline des courses illégales, explorer des paysages époustouflants, défier vos rivaux et dominer les rues nocturnes dans ce jeu qui redéfinit l'expérience de la vitesse. Préparez-vous à déchaîner votre passion pour la conduite. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, nous voici sur une nouvelle vidéo, une nouvelle découverte, un jeu qui s'appelle Need for Speed Unbound. J'en ai pas beaucoup entendu parler, je fais pas non plus beaucoup de jeux de voiture, mais j'ai toujours bien aimé la licence des Need for Speed. Alors on va faire une découverte d'environ 30-40 minutes environ, et puis on va voir ce que ça a à nous donner. J'ai coupé les musiques, les gars, pour les droits d'auteur et tout, parce que sinon ça aurait été une galère. Donc il n'y a pas de musique du tout, à part les musiques, on va dire les bruitages et ce genre de choses. On va partir tout de suite pour le mode histoire. Let's go. Ah! Choisissez un personnage et modifiez-le. Pas mal. On le met roux, lui. Ou alors je prends un personnage et puis direct je le garde. J'aime bien elle. Allez, on prend elle. Plus tard. Choisissez une épave à restaurer. Celle de droite me plaît plus quand même, hein. C'est une A+. D'accord. Direct. Alors les gars, les chargements dans ce jeu, je m'en suis tapé un de 25 minutes là, avant de lancer la vidéo, donc j'espère que ça va pas prendre autant de temps. C'était le premier pour charger tout le jeu, mais ça dure super longtemps. Pourtant, le PC, c'est un monstre, hein, les gars. Donc je sais pas trop, peut-être les graphismes sont trop élevés ou quoi. Faudrait, j'ai pas, je suis pas allé jeter un oeil, ça se trouve, c'est en 4K. C'est pas très grave. Déjà, si on arrive à jouer et que c'est agréable à l'œil, bah, ça me va. Ok, nickel. C'est parti. Jas, on a passé l'été sur cette bagnole. Laisse-moi la conduire. Ok, d'accord, mais fais gaffe. Je veux pas de surprise. Un petit drift au calme. Ah oui, d'accord. Ok, voyons ce qu'elle a dans le ventre. Accélère. Elle va vraiment vite, Jas. Attention, virage. J'ai vu. Ah. Braquer et appuyer sur le frein. Ok, j'ai un peu trop drifté, mais vas-y. C'est stylé! Incroyable. Je vais louper. Je vais louper. Non, 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 non! Je suis vraiment une quiche, les gars. Ça se voit que je joue pas beaucoup aux jeux de voiture. Heureusement que j'ai assuré sur la tenue de route. T'as cru qu'on allait se planter. Bon, on s'est planté deux fois, hein. Ben quoi, c'est une voiture de course, pas une trottinette. On va y aller un peu moins vite, hein. J'ai tendance à rester sur l'accélérateur en permanence. J'ai pas l'impression que ce soit une bonne idée. Non, mais. En même temps, le camion m'a pas aidé là. Hein. J'adore l'odeur de la nitro. Quand on passera la ligne d'arrivée, la victoire aura cette odeur là. Les gars, va pas te faire arrêter pour excès de confiance. Waouh. Les effets sur les phares, incroyable. Au moins, on n'a pas bossé pour rien. Depuis le temps, j'arrive pas à croire qu'on va enfin aïe, se retrouver aïe. sur le devant de la scène. Ah, le double drift, il a fait mal quand même là.
Ok. Ah, c'est vraiment pas mal, hein. En main, mine de rien. Ah oui, d'accord, donc là on commence une course. Putain, ça c'est dans tous les jeux de voiture, je comprends pas pourquoi la Nitro, j'arrive pas à les rattraper. Oula. Bah j'ai accumulation de boost. Bah ouais, mais non. Non en fait. Heureusement que c'est pas vraiment une course. C'est cool, on n'est pas ridicule. Tu te souviens Ouais, quand on bien regardait les sûr. courses avec le public? T'avais imaginé qu'on en arriverait là un jour? J'espérais un peu, ouais. Mais maintenant Ça que va, je c'était vois, pas je trop me suis dit catastrophique. avec J'ai mon vu le virage pied, trop tard en la fait. bagnole, la rue, quel pied. C'est profond ça. Venant de toi, ça m'étonne. D'habitude, t'es plutôt genre, passe-moi la clé de 12. C'est sans doute la voiture. Alors là, va falloir faire un sacré drift. On va prendre moins de risques en se mettant de ce côté-là de la route. Ok, super. Je trouve ça dingue, dire qu'à la base cette bagnole était plus qu'une épave. Je comprends pas pourquoi Ah, je Renault commence à avait les stocké rattraper cette là. bagnole dans son garage. Il s'était dit qu'il bosserait dessus un jour, mais il trouvait jamais le temps. Quand il va voir ce qu'on en a fait, il va sauter au plafond. Riders Rights va devenir célèbre. Le patron sera fier de nous. Il y a des petits coups de lag quand même, hein, mais c'est le Shadow PC ça. Bon, je les rattrapais, mais en finale... Je pense qu'ils ont des voitures qui sont largement plus que meilleures que la mienne. Hein. Et là, on va se faire choper là. Le lag, le lag. J'en sais rien, je sais pas ce que je fais. J'accélère, j'accélère. Le lag, non. Tout est une question de réflexe. Depuis quand t'as des réflexes, toi? Non, mais sans deck, joli coup de volant. Merci. Et toi, joli coup de mécanotisation. Le lake est pas prêt pour notre génie. Et c'est pas moi qui le dis. Bah qui alors? Communauté. Ma messagerie va exploser. Quoi? Déjà? Il aura pas fallu longtemps pour qu'on le remarque. T'as la dinguerie! Ouah. Pourquoi quand je tape la nitro, c'est l'autre qui accélère devant moi? Ok. Pas normal. On arrive au pont. Accélère. Aïe 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 aïe. C'est chaud là quand même. C'est le seul moyen de les semer. Wouhou! And down. Il est. C'est marrant quand même ce décalage entre les personnages et les voitures. Mais ça marche super bien, je trouve.
Jas, j'ai plein de messages sur le rassemblement dans les Heights. Je t'avais dit, les gens sont prêts à miser un paquet de fric. C'est bon pour nous, ça. Merde. Alors, qu'est-ce que t'en dis, boss? Elles ronronnent bien. Et elles sont bonnes. Y a pas à dire, j'adore l'odeur de l'essence. Ça explique tout. Oh la vache, j'arrive pas à croire que ma vieille épave s'est transformée en bolide. Tu rêves pas. Le lake est à nous. Quoi? Elle est homologuée? Ouais, et moi je suis LeBron. Bon, je vais pas te dire ce que t'as à faire. Je sais ce que c'est d'avoir besoin de... Enfin, tu sais, besoin de... De... quoi? L'essence lui monte à la tête. Je te demande juste un truc. Traîne pas trop avec ces trouducs de Cyril Heights. T'es pas de Cyril Heights? Ouais, justement, je connais bien leur combine. Rien de bon. Heidel, mais t'as toujours dit que je savais bien juger les gens. J'ai jamais dit ça. Quoi, t'as pas confiance en moi? Contente-toi de gagner, c'est tout. Youhou! Eh, je suis sérieux. L'essentiel, c'est de gagner. Ok, c'est parti. Ce soir, c'est le grand soir. J'en suis sûr. On a juste besoin d'un nom. Pour la voiture, Titine. Modifier de texte, je m'en fous un peu en vrai. Je peux faire autre chose. Ok, bon bah. Ah, bah je l'ai validé. Ok. Alors, prochaine récompense. Ah ouais, ok, je suis rang 1. Tu peux faire la même chose à la voiture des clients. On verra. Jouer, voici l'écran de carte avant de quitter garage, choisir l'endroit où vous voulez en rendre. Les affaires démarrent. Ou appuyer. Ils vont bientôt nous déposer leur voiture. On gagne de l'argent en réussissant les épreuves. Non, la Jasmine Touch. C'est la philosophie du garage, ok? Ouais, c'est ça. Ok. Sélectionner le rassemblement pour consulter. Donc là, nous, c'est la croix qu'on. Donc là, ce qu'on veut, c'est aller ici. Le rassemblement au canal de drainage. C'est parti. 3 000 $ si on gagne la course. Let's go. Salut Heidel. Hey, salut. Je sais pas où je vais. On vient juste de partir, donc pour l'instant pas grand chose. Hey Heidel. C'est où? Tu connais pas? Ah, c'est là-bas. Dans les Heights. Aïe, aïe. Mais la voiture, elle part en vrille, les gars. Désolé. Hein. Okay, elle était bon, incontrôlable. On se débrouillera sans toi. Un petit barbecue improvisé à la Jazz. Allez, let's go. Hey. Elle déconne. Hein, tu déconnes, Jazz? Mais oui. T'inquiète. Bon, premier rassemblement. T'es prête? Oh, il y avait un saut. Non, il y avait un saut. Il y aura des pointures là-bas. Si on a l'air de débarquer, personne ne voudra nous. Attends, peut-être qu'il faut que je retourne. Non. Il nous faut une bagnole qui a de la gueule et qui est à la hauteur de nos ambitions. Il n'y a pas que la victoire qui compte. J'espère qu'on va pas se planter. T'inquiète, je suis là, j'assure. Par là, il y a moyen ou pas? Ok. Pas mal. C'est plus facile avec le frein à main quand même de faire les dérapages. Hein. Oh là, oh là. Je me suis pris un tout petit peu trop tôt. Ça se répare, pas de problème. Faut que j'aille à l'intérieur. Ah oui, il fallait que j'aille à l'intérieur, ok. Wow. C'est la première.
première fois que je vois autant de monde ici. J'espère que t'es en forme. Premier 3000, deuxième 2600, troisième 2300, quatrième et huitième 500. Donc dans tous les cas, on gagne quelque chose. Le mieux étant d'aller évidemment finir premier. Mais à la première course, c'est un peu présomptueux. Oh! Deux, un. C'est pas la peine d'essayer de m'imiter. Je suis unique. Et merde. Allez, je vais les tracer. Accroche ta ceinture. Bienvenue à Lakeshore, dans la cour des grands. Je peux le faire. Je vais le faire. Je suis carrément en train de le faire là. Oh, je suis carrément en train de sortir. J'ai pas trop mal pris le virage. Ah, il y a la police. Par contre, elle tourne très très mal, hein, cette voiture. C'est incroyable. Hein. La direction est catastrophique. Je suis contente que tu sois là. Ça faisait un bail. Surtout, tu dis rien à Ryder, ok? Et dire quoi? Voilà. Allez là, allez, allez. Ouh, ça se passe bien. Deuxième, troisième plutôt. Oh, oh non, je l'ai vu à la dernière seconde. Non. Arrête de drift, arrête de drift. Pour être au-dessus du quatrième, faut être chaud. Hein. Bon, quatrième les gars, 1900$, c'est déjà bien. Mettez de la distance, soyez plus habile, notre titre. Ok, ok. Le garage, j'ai... Ah, on peut aller au garage direct, là ? Ce rassemblement, tu trouves pas ? Ça manquait de style. Parce que tu t'y connais en style, toi. Tu sais bien que je te laisse conduire juste pour te donner l'impression d'être utile. Arrête ! Prendre la pose sur le capot, avoir l'air cool ? C'est pas utile, ça? En tout cas, quand je serai aux commandes, ce sera épique. Quand tu seras aux commandes. Tu crois quand même pas que je vais croupir au garage toute ma vie? Franchement, les gars, la première chose que je fais évoluer de la voiture, c'est la direction. Aucun style. En tout cas, moi, j'ai un plan. Tu devrais peut-être te regarder avant de parler. Madame le maire Morgan Stevenson est prête à reconstruire Lakeshore. Pour évoluer, une ville doit reposer sur une base. Oh oh. Et cette base, c'est Morgan Stevenson. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait de l'eau ici, hein. Rebâtissons ensemble Lakeshore, un siège social après l'autre. Mais ouais, t'as tout compris. Le lake a vachement besoin de milliardaires en costard. J'ai détruit tout. Il y a un saut. Vers l'infini et au-delà. Incroyable, vraiment. Ah mince, par contre, je suis pas allé au bon endroit. Regardez avant de traverser. Arrête de drift. Pourquoi j'ai l'impression de tourner en rond là?
Allô, garage. Une petite flamme, 1900, ok. Il fait nuit. Plaque d'immatriculation. Vinyle. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Okay. La voiture a de la gueule. Et niveau pilotage, c'est pas mal non plus. Vous faites une belle équipe. Au fait, tu vois les nouvelles voitures qui sont garées devant? J'ai un client qui en voudrait une pour demain. Avec la Jasmine Touch, bien sûr. Pas de problème. Je m'en occuperai ce soir. Pour l'instant, je peux pas personnaliser ou améliorer la voiture. Je suis obligé de refaire celle-là. Il n'y en a pas d'autres là? $6000. Course de rue. Argent nécessaire 4000. Ah, il faut de l'argent pour s'inscrire. D'accord. D'accord, donc vaut mieux faire de temps en temps des courses qui coûtent rien et qui font que gagner de l'argent. Plutôt que de faire des courses qui coûtent cher et qui rapportent plus, évidemment, mais du coup qui coûtent cher, quoi. J'ai pas le truc pour bien démarrer. Hein. Ils ont l'air bien vénères ce soir. T'imagines un peu la tronche de Rydell si on passait aux infos? Elle pourrait rien dire, ça ferait de la pub au garage. Tu veux faire quoi, toi, après? Après la course? Après la course, après Rydell. Tu vas pas rester ici toute ta vie, non? Je sais pas trop. Moi, à la base, je voulais juste échapper aux services sociaux, trouver un foyer. Rydell Rides, c'est ce qu'il me fallait. Et puis Rydell, c'est un mec bien. T'es pas là. C'est là. Pour tout te dire, je suis jamais restée aussi longtemps au même endroit. C'est juste que... Parfois, ça me démange de tout plaquer. Aïe, aïe. On a un truc bien, là. Un truc solide. Et surtout, on a un plan. Gagner gros. Ah, ça, pour gagner gros, on va gagner gros. Allez. Salut, Jazz est là. Salut, ça roule. T'as pas vu ma clé à griffe? Celle que t'appelles Stilson, c'est ça? Ouais, Stilson. Elle est où? T'as regardé dans l'armoire rouge? Ben oui, qu'est-ce que tu crois? L'armoire rouge, c'est le premier truc que... C'est bon. Elle était où? Dans... Elle était... Enfin, tu vois... Salut, Rydell. T'es au courant que tu peux pas participer à toutes les courses? On n'a pas encore assez de fric pour jouer dans la cour des grands. Ah ouais, j'ai bien remarqué. Il démarre nettement mieux que moi quand même. Hein. C'est bien, il m'a guidé. Mais c'est pas possible! Attention, chaud devant! Putain, ils sont juste derrière moi, hein. Je fais un écart et c'est terminé. Au moindre
Allez, j'essaie de me concentrer un peu, histoire de gagner de la thune et faire une course un peu plus intéressante. Là, j'ai foiré totalement. Hein. Aïe 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 aïe. J'aurais pu être premier, j'aurais pu. Deuxième. C'est pas mal. Je progresse. Ah, je peux faire la course que 10 fois. Ah oui, l'alerte. D'accord, j'ai compris. L'alerte, c'est reprise. Ah. D'accord. Donc il y a deux flics qui me poursuivent et faut que je les sème, c'est ça? Aïe. Ça a failli faire bugger le jeu quand même. Hein. À toutes les unités, notre suspect vient d'entrer dans Douglas Park. On les a presque semés. J'arrête la poursuite. Ha ! Ciao les nazes ! Incroyable. Non mais laisse-moi tranquille toi. La planque. Pourquoi je peux pas avoir planque? C'était marrant, non? Je sais pas pour toi, mais moi j'ai pas très envie de rentrer. Ça me va, j'ai encore du boulot de toute façon. Eh, tu feras quoi quand Idle aura pris sa retraite et qu'on fera partie de la légende du lake? Je sais pas. Je compte bien remplir des stades, traîner sur les vivants. Oh, ça a détruit la voiture. Ah ouais. Eh ben, quand je bosse au garage et que je vois Idle, ça me donne un peu envie de faire. Attends. Je voudrais m'installer dans le. Moi, je vais aller par là, là. C'est ça. Je suis en train de le conduire, ton truc. Je veux voir plus grand que cette voiture. En vrai, elle me plaît bien, cette vie. C'est pas facile, hein, quand même. Monter, démonter, remonter. Les soirées pizza sur le canapé. D'accord. Rydell qui espère enfin voir les Spins gagner le championnat avant sa mort. C'est ça. Et moi. Accès au garage. Pas mal. Donc j'ai 7200. Il fait jour. J'ai bossé toute la nuit sur les bagnoles de tes clients. Elles sont nickel, pas vrai? Pas mal du tout. Oh, t'as oublié de retirer le filtre pour vérifier que tout est bien en place. C'est important quand même. Ouais, je sais. Tu sais bien que je préfère quand tu bosses dans les règles. J'avais 3 bagnoles à faire. C'était plus rapide comme ça. Voyons ce que dit le client. Ouais, il la veut pour aujourd'hui. Prends-toi un café. D'accord. T'as l'air crevé. C'est tout ce que tu trouves à me dire alors que j'ai bossé toute la nuit? C'est ça. Je vais faire un tour, ça me changera les idées. On peut pas améliorer la caisse? Mais normalement, dans les Need for Speed, c'est justement le but. Le style. Ok, bon, bah, il n'y a pas grand-chose de plus. Bon, je suis rang 2. Il y a plein de courses sympas. On va, nous, on va s'arrêter ici parce que bon, un jeu de course, ça reste quand même un jeu de course, mine de rien. Je vais encore faire des courses et des courses et des courses. Donc, on a vu plus ou moins le gameplay. Après, il y a peut-être des subtilités qu'on a un peu plus tard en termes de gameplay
Peut-être au niveau des virages, des drifts, comment faire enchaîner les drifts, etc. Mais du coup, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait plaisir de vous faire découvrir ce jeu. Ça fait longtemps que j'espère vous le faire découvrir. Donc, voilà, c'est une petite pépite. Moi, je vais peut-être continuer de jouer un petit peu après. Et puis, voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. La manette, elle est complètement folle là, les gars. Je sais pas quoi faire. Je sais pas si vous le voyez. Je comprends pas pourquoi. Ça s'arrête jamais de vibrer. Moi, ma manette, elle a un truc chelou. J'espère que vous l'entendez pas. Bon, bref. Je fais l'outro. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Pensez à vous amuser, les gars. Non, mais c'est impossible. Attendez, j'ai un problème. Je vais la mettre là. Voilà. Comme ça, ça va pas m'embêter. Voilà. Bonne journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Pensez à vous amuser, les gars. C'est important. Et puis, à la prochaine pour de nouvelles découvertes. Allez, salut. Et désolé pour la manette. Salut.